métier des Draconis, de quoi ça parle? Ça parle d'Eliot, un garçon qui a bientôt 10 ans au début de l'histoire, et qui a des petites particularités. Il a un peu du mal à contrôler son caractère colérique, et il voit toutes les représentations de reptiles s'animer quand il est présent. Et malheureusement, il est orphelin et il est trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'au jour où il en trouve une dans laquelle il se sent bien. Et c'est là où l'aventure commence. Une comète, une sorte de comète, l'emporte dans un monde magique qui s'appelle Draconia. Il va apprendre une fois là-bas qu'il est l'héritier des Draconis. Qu'est-ce que c'est l'héritier des Draconis? Les Draconis, c'est une lignée qui a un pouvoir particulier, qui est de se changer en dragon. Et Eliot est le dernier à pouvoir se changer en dragon. Alors au début, il est un peu surpris, hein, bien sûr, mais il va apprivoiser son pouvoir et il va vivre une grande aventure pour retrouver son trône, puisqu'il est l'héritier des rois et des reines des Draconis, qui est occupé pour l'instant par son oncle, qui est un peu fou, et qui s'est transformé en dragon, mais en dragon hybride de tous les dragons qui existent, et donc qui est un peu une espèce de monstre horrible et méchant. Voilà. Et le but d'Eliot, c'est de retrouver sa place légitime. Il va lui arriver plein d'aventures. Alors là, il n'y a que 3 tomes, mais c'est en 5 tomes au total. Et l'histoire est complète. Donc vous pouvez la lire d'une traite et vous faire plaisir à suivre toutes les aventures d'Eliot et de ses amis.